Salut à tous, c'est Body sur Just Cause 3. Écoutez, nous revoilà pour un nouvel épisode, un peu particulier celui-là. Donc on est parti sur une libération de ville, et on va tomber sur deux problèmes. Alors, je ne sais pas si c'est des bugs, ou si ce sont des mécanismes de jeu un peu mal pensés. Mais on va avoir un problème pour libérer cette ville au niveau du commissariat, par exemple. Le commissariat, on va avoir beaucoup de mal à faire monter le chaos dans le commissariat. Et on va également avoir un problème sur les désactivations de moniteurs. Voilà. Bah écoutez, on en reparle quand on est dessus. A tout de suite. Alors à partir du moment où on meurt pendant une mission, pendant une libération et qu'on a commencé le commissariat, maintenant il va être très difficile de refaire monter la barre de chaos. Donc on va avoir beaucoup de mal, il faut essayer de trouver des véhicules, il faut pas hésiter à ressortir de la ville, à re-rentrer dedans, pour faire réapparaître des objets qu'on peut détruire. Voilà, il faut détruire un peu tout ce qu'on peut en espérant faire monter la jauge. Mais du coup ça va être beaucoup plus long que si on n'était pas mort et que si on était resté dans le commissariat. Bon, c'est vrai, j'ai qu'à pas être mauvais, mais bon, il y a quand même des limites. Centrale, on envoie des renforts terrestres sur votre position.
Voilà, alors deuxième petite chose étrange, c'est qu'on ne peut pas désactiver des mécanismes si on est recherché. Donc moi je conseille, quand vous tombez sur des villes où il faut désactiver des mécanismes comme ça, il faut commencer avant de mettre le chaos. Voilà, comme ça, ça vous évite d'être bloqué comme là, où on va devoir s'échapper de la ville, attendre que la recherche baisse, et puis bah, revenir pour finir de désactiver désactiver ça. Des hélicos arrivent. Je répète, des hélicos arrivent. On envoie des forces terrestres en renfort sur votre position immédiatement.
élites autorisées. Escouade en approche. On l'a perdu. Retournez à vos postes.